Mais comment se porte Claude Barzotti? Le chanteur avait inquiété tout le monde quand il avait pris la parole. À l'automne dernier, dans les colonnes du magazine France Dimanche, l'artiste avait avoué qu'il avait à nouveau sombré dans l'alcool et pouvait ingérer jusqu'à 7 bouteilles de whisky par jour. Atteint d'une pancréatite, il se disait extrêmement fatigué. Les médecins m'ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Détaillait-il. Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant. Tout est bien qui finit bien. L'artiste a prévu de faire une apparition publique, dans sa Belgique natale, au début du mois d'août. Ce qui voudrait dire que son état de santé s'améliore de jour en jour. Opéré du pancréas, Claude Barzotti a de multiples raisons de se réjouir. Le vendredi 23 juillet 2021. Il célèbre son anniversaire avec toute la prudence que nécessite sa condition. Le 1er août 2021, il sera présent à Uccle, en Belgique, dans le cadre du 16e tennis à Lens Sport, Télévis. Un événement organisé pour la bonne cause. En novembre 2022, il sera aux côtés de son confrère et concitoyen Franck-Michaël à Colfontaine. Un concert surprise serait-il en préparation? La pandémie de Covid-19 avait pourtant, semble-t-il, mis un terme à sa carrière. Quand il a dû reporter sa dernière tournée de concert, Claude Barzotti avait affirmé que tout ceci était désormais de l'histoire ancienne. D'autant qu'il était effrayé à l'idée de mettre le pied dehors dans de telles circonstances sanitaires. « Je suis dans un tel état que je marche à peine 10 mètres, je suis essoufflé. » regrettait-il. « Vous comprenez bien qu'il m'est donc impossible de continuer à chanter. Depuis le mois de février, je n'ai pas touché une note de mon piano, je n'ai même plus le goût de chanter. Seul, dans mon coin. Espérons qu'il ait, depuis, repris du poil de la bête. »